Lettre 116 d'Élisabeth de la Trinité, adressée à Cécile Lignon et datée du 29 mai 1902. Ma chère petite Cécile, ta grande amie a été bien unie à toi aujourd'hui. Son cœur ne faisait qu'un avec le tien. Je t'ai retrouvé près du bien-aimé Jésus. Nous étions toutes deux sur son cœur. Ma Silette, enveloppée dans son voile de communiante, et moi dans le blanc manteau de la Sainte Vierge et le voile des fiancés, car je suis l'enchaînée de mon Christ, sa prisonnière d'amour. Ah, si tu savais comme il fait bon sur la montagne du Carmel! J'ai tout quitté pour pouvoir en faire l'ascension. Mais mon Jésus est venu au-devant de moi. Il m'a prise dans ses bras pour me porter comme un tout petit et pour remplacer tout ce que j'avais quitté pour lui. Car je lui ai donné ma chère maman et ma petite Guite, puis tout ce que j'aimais, et ma Silette est bien du nombre. Je n'irai plus la voir, ainsi que sa chère maman que j'aime tant, mais je leur donne rendez-vous près du tabernacle. Quand elles penseront à moi, qu'elles viennent là, elles me retrouveront toujours près du bon Dieu. Qu'il soit notre rendez-vous. N'est-ce pas, Cécile? S'il est venu ce matin, en ton petit cœur, ce n'est pas pour y passer et puis s'en aller, mais pour y demeurer toujours. Garde-le bien, ma chérie, et garde-moi aussi dans ce cher petit sanctuaire. Embrasse pour moi ta petite maman, dis-lui que mon cœur lui garde un fidèle souvenir. Sœur Élisabeth de la Trinité.